Adorer est un mot incontournable pour les chrétiens, car c'est par ce moyen qu'ils élèvent Dieu au-dessus de toutes choses. Cependant, il existe une très grande confusion concernant la pratique liée à celle-ci. Nous pouvons voir des réunions qualifiées d'adoration où les chrétiens élèvent la voix pour prier, ou encore d'autres qui prient carrément en langue. Certains vont jusqu'à se traîner par terre et à faire encore beaucoup d'autres choses semblables. Plusieurs pensent qu'il faut donner une somme d'argent qui nous coûte en guise d'adoration afin d'obtenir les faveurs du Seigneur. Bref, nous pouvons voir plein et plein d'autres actions qualifiées d'adoration. Qu'est-ce que c'est qu'adorer Dieu? Pour commencer, voyons la définition que nous donne le dictionnaire de ce mot. Adorer, c'est rendre à la divinité le culte qui lui est dû. Aussi, le mot culte vient du latin cultus, dérivé du verbe colere, qui veut dire en sens propre cultiver et par extension rendre un culte. Adorer ou encore rendre un culte, c'est donc cultiver une relation avec une divinité et vouloir la faire fructifier pour le plus grand bénéfice moral et matériel, paix, richesse, prospérité, bonheur, salut, santé, etc. de l'individu ou de la communauté qui le pratique. Nous comprenons donc qu'adorer Dieu, c'est entretenir une relation avec lui afin de jouir de ses faveurs. Voyons là où le mot adorer est mentionné pour la première fois dans la Bible. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Genèse chapitre 22 verset 5. Pour Abraham, offrir à l'Éternel ce qu'il avait de plus cher, c'est-à-dire son fils unique, l'objet de la promesse était considéré comme un acte de pure adoration. Dans un premier sens, adorer reviendrait à faire une offrande de valeur à Dieu. Nous pouvons aussi citer le fait qu'adorer reviendrait tout simplement à obéir à la volonté de Dieu. Par la suite, lorsque Moïse eut reçu l'ensemble de la loi, les enfants d'Israël rendaient à Dieu un culte, non seulement en se conformant aux ordonnances de celle-ci, mais aussi en vouant des sacrifices et des offrandes à Dieu. Nous pouvons en avoir un aperçu au travers de ce verset. Tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Exode chapitre 23 verset 15. L'adoration reviendrait également à se prosterner, la face en terre, pour signifier que nous ne sommes rien devant celui qui reçoit l'adoration. Aussi, nous pouvons lire cela dans le récit des rois mages. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Matthieu chapitre 2, les versets 1 et 2, verset 11. Lorsque Satan tenta notre Seigneur Jésus dans le désert, il proposa à Jésus l'intégralité de la création en échange de son adoration. Par ce récit, nous comprenons que l'adoration est réservée à Dieu seul et que l'objectif de Satan d'usurper la position de Dieu demeure toujours. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Matthieu chapitre 4, versets 8 à 10. Que nous dit Jésus au sujet de l'adoration? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Jean chapitre 4 verset 22 à 24. Dans ce passage, Jésus souligne que seul le Dieu des Juifs, l'Éternel est Dieu, et donc que toute autre divinité n'est que mensonge. Aussi remet-il en cause la manière d'adorer de ceux-ci, qui se résume en des actes physiques et moraux qui ne touchent qu'à l'apparence. Nous savons que la vérité ne réside pas dans les apparences, mais plutôt dans ce qui se trouve au fond du cœur. Plusieurs font bonne figure de ce qu'ils semblent irréprochables quant à la morale, et leurs actes semblent réglés sur mesure de manière à respecter les ordonnances prescrites. Cependant, leurs cœurs sont éloignés de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus dira « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. »
C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Matthieu chapitre 15, les versets 8 à 9. Ce que Jésus recherche, ce ne sont pas des personnes qui essaieront de lui plaire en posant des actes dont ceux-ci pourraient tout autant s'en glorifier. Mais il recherche des personnes qui l'aimeront de manière à vouloir toujours être en sa présence, au détriment de toute autre chose. Le véritable amour ne tire pas ses racines dans les actes, mais plutôt dans le cœur. C'est pourquoi pour les véritables chrétiens, Dieu n'est pas seulement leur Dieu, mais il est leur Père. Et ceux-ci entretiennent une relation de proximité avec ce dernier par le biais de son esprit qu'il fait habiter en eux. Béni es-tu, toi qui te soumets à la volonté de l'Esprit en toutes choses.